Salut à tous, soyez les bienvenus. Hoje é o terceiro episódio em que eu vou ler este livro aqui, que é um livro de criança, que era um dos meus livros preferidos quando eu era criança, que se chama Les Lettres de Biscotte Mulotte, a história de uma ratinha. Se você, de uma ratinha que mora numa sala de aula e encontra as crianças, mas se você ainda não viu os dois primeiros episódios, vá assistir na ordem para você conseguir captar a história como um todo. Eu vou terminar hoje o livro, então vamos lá. Après les vacances de Noël, Biscotte met de nouveau longtemps à leur écrire. Enfin, elle dépose une lettre où elle raconte qu'elle a eu encore un gros malheur. Elle s'est foulée la patte en glissant avec Tartine dans la boîte à sel. Maintenant, elle va mieux. Alors, ils lui racontent leur malheur à eux. « Moi, mon pépé est mort. Je suis triste. Je l'aimais bien. Moi, je suis tombée du vélo. Je me suis fait mal au genou. » Et puis, ils lui posent aussi plein de questions. « Biscotte, pourquoi tu as dit que tu ne ferais pas de crotte? C'est pas vrai, j'en ai vu, c'est sale. Biscotte, est-ce que tu nous écriras jusqu'à ce qu'on soit mort? Pourquoi tu ne nous portes pas beaucoup de lettres, encore plus de lettres? » Et ils lui mettent dans l'enveloppe plein de beaux dessins au feutre. Pendant le mois de janvier, ils font beaucoup de cadeaux à Biscotte. Des bouts de fruits confits, des gâteaux des rois, de la ficelle dorée, des petits bouts découpés de beaux papiers de Noël, des miettes de gâteaux des rois et surtout des belles couronnes de rois toutes petites, juste à la taille d'une tête d'une mulotte. Ils lui écrivent « Mulotte, il faudra bien les plier un peu pour les rentrer dans ton trou, mais après les plis s'en iront et tu seras très belle avec. » Mulotte répond que c'est vrai. Les couronnes lui vont drôlement bien. Au mois de février, le temps se gâte, la pluie se met à tomber. Elle tombe pendant toute une semaine et Biscotte leur écrit ce que la pluie a fait dans son trou. Mes petits amis chéris, nous avons été inondés. Toute notre réserve de graines a été mouillée. Mes parents sont furieux et l'oncle Molette a juré avec de vilains mots. Mais moi, au fond, je trouve ça drôle. Toutes les graines mouillées ont germé et ça nous fait plein de plantes vertes dans notre trou. Bisous moustachus, Biscotte Mulotte. Les enfants répondent à Biscotte en lui racontant qu'il y avait plein d'eau dans leur maison à eux aussi, plein de flaques qui passaient sous les portes et des gouttières qui fuyaient. Mais c'est dommage, ils n'ont pas de réserve de graines et c'est moins drôle. Alors avec la maîtresse, ils ont une idée. Et le lendemain, ils apportent des pois chiches, du blé, des haricots et des lentilles. Et puis la maîtresse met du coton et de l'eau dans les soucoupes. Et jour après jour, les enfants surveillent les graines qui germent, puis qui poussent, et qui font une petite forêt verte comme chez Biscotte. Un jour de printemps, les enfants décident d'écrire tout seuls, sans la maîtresse, en utilisant l'imprimerie. Biscotte, mulotte. Ils l'impriment en rouge tout au milieu d'une feuille. C'est superbe. Ils envoient la feuille à Biscotte. C'est la première fois que Biscotte va voir son nom imprimé. Elle sera sûrement très fière. Les amandiers sont en fleurs maintenant. Le soleil réchauffe la terre. Il y a des tulipes dans la cour. Mais la lettre que les enfants trouvent ce matin n'est pas joyeuse comme le printemps. Mes petits amis chéris, je vais partir. Je vais déménager avec mes parents et aussi bien sûr l'oncle Molette. Le docteur dit que j'attrape trop de rhume et que je dois aller habiter dans un pays chaud. Nous allons partir pour la Tunisie. Mon papa a un cousin qui habite sur un bateau, alors nous prendrons un camion de légumes et nous irons à Marseille et nous monterons sur le bateau. Nous traverserons la Méditerranée. Je serai bien triste de ne plus vous voir, mais peut-être qu'un jour je reviendrai. Bisous moustachus, Biscotte Mulotte. Alors les enfants crient « Oh non, 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 non !» Ils disent à la maîtresse d'écrire très vite « Il ne faut pas que tu partes, tu auras le mal de mer en bateau. » « Tu n'as qu'à taper le docteur. Guéris-toi vite et reviens. » La maîtresse écrit tout ce que les enfants demandent et puis ils signent tous leur nom, tous seuls, parce que maintenant, ils savent bien écrire. Maintenant, il n'y a plus de lettres dans la boîte.
Biscotte Mulotte est parti. Les enfants parlent de la Tunisie et de l'Afrique avec la maîtresse. Ils regardent la grande carte et la mer toute bleue qui les sépare de Biscotte. Ils imaginent Biscotte sous les palmiers en train de manger des dattes. Et puis, ils font une grande, grande peinture tous ensemble sur un carton. Une peinture avec plein de mulottes dessus. Ils l'accrochent dans la classe et ils disent « Peut-être qu'un jour Biscotte Mulotte reviendra. » Voilà! Espero que vocês tenham gostado da leitura. E eu acho engraçado, porque eu tinha ficado muito triste com essa leitura quando eu li, não me lembro mais quantos anos eu tinha. Mas hoje em dia, não acho triste, mas é bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu curtir. Não esqueça de se inscrever no canal. E fique ligado, que daqui a pouco vai ter mais novidades por aqui. Merci beaucoup e à bientôt!